Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Business et spiritualité avec Paul Piranet. Aujourd'hui, on va parler de la puissance des masterminds. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on va expliquer. Merci à toi, Paul, encore une fois, d'être là avec moi aujourd'hui. Est-ce que Écoute, tu vas bien? Merci. Oui, je vais toujours très très bien. Excellent. Et encore une fois, je trouve que c'est génial de progresser dans cette voie. Et les masterminds, c'est vraiment quelque chose qui a bouleversé, je pense, et donné une énorme accélération à mon propre développement. Donc, je suis très content. Excellent. Qu'on aborde cette. J'ai hâte de partager avec toi. Alors, pour expliquer, j'ai fait partie donc d'un mastermind et qui a totalement transformé ma vie. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie d'échanger avec toi par rapport à toi, ton retour D'accord. d'expérience, d'expliquer déjà un petit peu ce que c'est un mastermind, en quoi c'est intéressant et en quoi toi ça t'a apporté des choses. Et déjà, ça c'est bien. Donc déjà te donner ton retour d'expérience par rapport au mastermind. D'abord, pour moi, c'est des voies d'accélération considérables parce qu'on est engagé avec des personnes qui très souvent ont un contenu de formation, parfois. Donc, qu'est-ce que c'est en fait un mastermind? Un mastermind, c'est un groupe de personnes qui décident d'avancer ensemble pour, soit autour d'un leader ou d'un enseignement, progresser ensemble. C'est-à-dire mettre en place des actions qui vont leur permettre d'évoluer vers un objectif qu'ils ont plus ou moins en commun. Même si les entrepreneurs qui peuvent, parce que moi j'ai beaucoup vu ça dans le monde de l'entrepreneuriat, peuvent avoir des ambitions assez différentes finalement, des projets assez différents, mais ils ont en commun le fait de progresser. Des groupes de 15, 20, 25 personnes en général. Oui, ça peut monter même à 50, même parfois plus. Des masterminds, il y en a à tous les niveaux. On peut en créer des 3, 4, 5, 6 personnes. Et puis après, quand on monte sur des masterminds, souvent de plus en plus importants, on peut trouver de plus en plus de monde. Parfois. C'est quoi le but d'un mastermind? C'est de nous aider à prendre de l'accélération dans notre croissance. C'est de se confronter à des personnes qui vont avancer avec nous. Tu disais tout à l'heure à quel point c'est important d'être bien entouré. Ouais. Et c'est vrai que le cerveau collectif, on a fait une vidéo là-dessus. Absolument. Et le fait d'être entouré de gens qui avancent dans une même direction, c'est clair que ça stimule beaucoup. Moi, je rencontre beaucoup de monde, par exemple, dans le cadre des formations, et c'est très... J'ai une vie qui est très stimulante pour cet aspect-là, surtout que je ne les rencontre pas que pour parler de météo ou de choses comme ça, mais pour parler de choses plus profondes. Et c'est vrai que dans le cadre des masterminds, ce que moi je trouve que je n'ai pas forcément dans mes formations, c'est des personnes qui ne sont pas là parce qu'elles sont venues me voir. Elles sont là parce qu'elles avancent sur un projet, sont des entrepreneurs qui ont une façon différente de voir leur vie et la mienne. Donc oui, on peut se confronter. Ta vie aussi, puisqu'ils te donnent des avis aussi sur... Oui, absolument. Il y a de la bienveillance aussi dans tout ça. Voilà, et puis parfois il me dit « Ah Polo, ça fait des années que je te suis, je suis content de te trouver là, etc. » Et puis même certains qui me disent « Mais qu'est-ce que tu fais là en fait ? Parce que toi ça fait tellement longtemps que tu fais… » Ben non, qu'est-ce que je fais là ? Je continue à grandir. À tous les niveaux, on à peut tous les niveaux. Et toute personne que je croise, à partir du moment où on s'intéresse à elle, on découvre ce qui l'anime, quelles sont ses difficultés, comment la personne rebondit, à qui elle fait appel. Il y a toujours des gens qui peuvent nous aider sur un aspect ou sur un autre. Ouais. Et c'est génial d'ailleurs, parce qu'un entrepreneur, on peut se sentir seul. Sur le mastermind, c'est clairement une solution aussi pour pouvoir rencontrer des personnes qui sont comme Absolument. Nous et qui nous aident vraiment à grandir. Quoi. Absolument. Ouais. Voilà, donc pour moi, c'est tout ça la force d'un mastermind. Comment ça s'organise en général ? Il y a plusieurs rencontres, il y a des coachings. Oui, alors il y a plusieurs formes. Hein. Moi, je suis dans plusieurs masterminds, enfin d'une manière deux générale, principaux. Alors, on a très souvent des rencontres qui peuvent être sur 2 à 3 jours ou plus, parfois 4, 5, qui sont sur des lieux en général choisis pour ça. Donc, l'environnement est plutôt stimulant, on est un peu ouvert. Et pendant 2, 3, 4 jours, selon un programme qui est mené par le leader. En général, c'est sur un an en tout cas. Oui, alors je parlais là des séquences oui. qu'on peut avoir. Sinon, oui. l'engagement très souvent se prend sur un an. Ouais. Et puis, ce qui est bien parce que ça laisse le temps... aux gens d'avancer, de progresser. On n'a pas forcément toujours contact avec tous les membres du mastermind, ça dépend. Très souvent, moi j'apprécie les masterminds où les gens reviennent. Parce que mastermind, on ne le fait pas forcément que sur un an. On peut le retrouver sur la prochaine année, puis la prochaine année. Et c'est vrai que c'est à la fois intéressant d'être avec des gens avec qui on progresse depuis plusieurs années, parce qu'elles nous connaissent de plus en plus en profondeur. On sait où elles en sont, donc du coup on peut les confronter avec plus de... profondeur, plus de sensibilité, plus de... Voilà. Et puis, c'est aussi très intéressant de découvrir de nouvelles personnes parce qu'on a des nouveaux modèles, on a des nouvelles façons de voir, on a des nouvelles façons d'interagir. Donc, ça, c'est aussi très, très riche. Et puis après, dans le mastermind, il peut y avoir des apports.
Il peut y avoir des moments d'exercice, il peut y avoir des intervenants qui viennent nous inspirer sur un aspect ou sur un autre. Et puis, entre ces rencontres, il peut y avoir des rencontres qui se font en ligne pour certains masterminds. Il peut y avoir des coachings qui sont faits à des heures privilégiées. Il peut y avoir des apports qui peuvent être faits. Il peut y avoir des vidéos aussi en ligne qui viennent compléter les contenus. Enfin voilà, après chacun va pouvoir trouver, selon les masterminds, des choses. Mais en gros, pour moi, il y a une phase d'enseignement. Ouais. Il y a une phase de connexion qui est très importante. Et puis, il y a une phase d'accompagnement plus individualisé qu'on peut avoir avec les membres du groupe ou le ou les leaders qui sont dans ce mastermind. Et une vraie considération aussi dans ce mastermind. Alors ça, c'est très important. Pour moi, il y a trois étages qui vont beaucoup donner de l'accélération à la croissance d'un groupe et d'une personne. Et dans mes propres masterminds, que je suis ou que je donne, je suis très attentif à ces trois notions. La première, c'est d'avoir un environnement qui est aimant. Pas seulement pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. C'est-à-dire qu'on va t'apprécier, quels que soient les résultats que tu as, que tu aies mis en place, que tu n'aies pas mis en place, on reste en lien avec toi et on t'envoie du love, en gros. Ouais, ouais. Ça, c'est très important parce qu'on a besoin d'être arrosé pour pousser. On a besoin d'amour et de considération. Voilà. Ouais. La deuxième chose, c'est d'être entouré de personnes qui sont capables de te faire progresser. C'est-à-dire de venir te confronter, de te poser des questions. C'est un peu des coachs, des enseignants, des gens qui vont te donner de l'information. Te challenge, en fait. Qui vont te challenger. L'objectif étant de faire mieux demain ce que tu faisais déjà bien hier. En t'aidant à progresser au bon endroit, c'est-à-dire c'est quoi tes lignes de course, c'est quoi tes priorités, et puis sur ces priorités-là, plutôt qu'aller ouvrir plein de boucles, de mettre de l'attention, de l'énergie, de la croissance, parce qu'une entreprise, c'est beaucoup de chapitres, et l'idée, c'est toujours d'aller chercher le maillon le plus faible pour faire grossir l'ensemble, et très souvent, ce qu'on a tendance à faire quand ça ne marche pas trop, eh bien, c'est de reprendre autre chose. Par exemple, j'ai un tunnel qui ne marche pas trop, donc j'arrête, j'en fais un autre, puis après je recommence, j'en fais encore un autre. Alors que l'idée, c'est plutôt d'aller dans de la profondeur. Et c'est là où on a besoin d'avoir des personnes qui nous disent « Tiens, où est-ce que tu en étais par rapport à ce que tu as déjà fait ? Comment tu pourrais le faire progresser ?» C'est aussi très facile de reprendre l'ancien et puis de refaire un peu la même chose. Alors, c'est un coût aussi. Alors, je termine, parce qu'il y avait un troisième truc. Excuse-moi. Après l'amour, considération, le fait d'avoir des gens qui nous font grandir, c'est aussi d'avoir des gens qui nous inspirent. Qui nous inspirent parce qu'ils ont développer en fait déjà avec beaucoup d'avance ce que nous, on aspire à développer. Ouais. Donc du coup, on va télécharger en quelque sorte des possibles parce que c'est clair que si tu as beaucoup avancé dans ton domaine, tu vas évidemment me donner des enseignements, des croyances, des valeurs, des émotions aussi qui vont m'aider beaucoup à devenir ou à tendre vers le possible que tu m'ouvres. Tu vas aussi me permettre de connecter à des personnes qui t'ont aidé et qui du coup m'aideront aussi probablement. Bref, c'est une accélération considérable. Effectivement, il y a aussi une mise en réseau de contacts, de prestataires qui peut être aussi intéressante. Voilà, qui est très importante. Ouais. Donc voilà, recevoir du love, être confronté pour progresser et être inspiré pour aller plus loin, plus haut, plus grand. Et l'autre notion que je trouve aussi qui est très importante, que moi je trouve, enfin je l'ai vécu dans différents masterminds, notamment avec Martin Latulippe, avec qui je suis là depuis pas mal d'années, et c'est vraiment une très intéressant pour moi c'était très important pour progresser. Je suis aussi dans d'autres mastermind que toi aussi tu as croisé, notamment avec Romain Collignon. Et ce que je trouve très intéressant aussi, c'est le fait que dans un mastermind, on y trouve ce qu'on vient aussi chercher. C'est-à-dire, en gros, si on reste dans l'ombre, qu'on ne dit rien, qu'on parle à personne, c'est sûr qu'on ne va pas beaucoup avancer. Ouais. Et il faut aussi donner. Et pour moi, c'est très important. Il y a quatre choses qui sont importantes. La première, c'est de poser des questions quand j'en ai besoin. Il faut donner et demander, en fait, aussi. Oser demander. Ouais. La deuxième, c'est quand il y a des questions qui sont posées, c'est de participer aux réponses. C'est pas attendre que le leader ou quelques-uns répondent, mais c'est que chacun apporte sa pierre. Parce qu'il peut y avoir des experts qui répondent, il peut y avoir des gens qui te donnent du retour et parfois très intéressant, même si ils ne sont pas forcément experts. Et dans un mastermind, c'est important aussi d'amener les gens à oser répondre aux questions, à participer. La troisième chose, c'est évidemment de partager des ressources quand on sent qu'on a des informations intéressantes qui peuvent nourrir les uns ou les autres. Et puis bien sûr, de valoriser, c'est-à-dire que ton repère que quelqu'un avance, eh bien, de lui donner du feedback positif et constructif pour l'aider à avancer. Voilà. Je pense que quand il y a ces quatre dimensions, en tout cas moi j'y suis très attaché, eh bien, ça donne vraiment une belle dynamique, une belle coloration. Ça peut être très puissant et puis une expérience humaine qui est aussi géniale. Parce que c'est ça qui va être le plus important, c'est l'expérience humaine. Ouais. Et donc, je te disais, le coût aussi, il y a un certain coût. Oui, alors c'est sûr que si vous allez faire un mastermind avec
des gens comme Richard Branson, je crois que le ticket d'entrée doit être 1 million d'euros. Voilà. Mais vous n'êtes pas avec les mêmes personnes, les mêmes vibrations, les mêmes problématiques. Et en général, dans l'entrepreneuriat... Sinon, quand on redescend, on va trouver... moi, je suis plutôt actuellement sur des masterminds autour de 20 000 euros. Ouais. C'est en général la moyenne. Oui, voilà. Après, la moyenne, non, ça dépend où tu en es. Oui. Parce que, en tout cas, dans ce... Il y a des gens que je connais qui payent depuis des années des masterminds à 50, 60, 80 000 euros. Mais ça correspond aussi à leur niveau d'activité. C'est sûr que quand tu gagnes... Tu fais 5 millions de chiffre d'affaires, tu peux t'offrir un mastermind. Les premiers mastermind, en tout cas, il n'y en a pas trop en dessous de 15 000 euros en général, non ? Oui, en général, c'est ouais, 15 000, 20 000, 30 000 euros. Ouais. Puis comme il y a de plus en plus, à mon avis, ça va faire monter un petit peu le prix du marché. Ouais. Voilà. Ouais, complètement. Alors ça, justement, j'ai une remarque, c'est que quand on parle de 15 000 euros, 20 000 euros, ça peut faire flipper, ça peut faire peur à beaucoup de gens. Ouais, et absolument. Moi, ça m'a fait peur. Ouais. Et la première fois que je l'ai fait, d'ailleurs, j'étais pas sûr de pouvoir en retirer quelque chose et je me suis dit, voilà, j'investis quand même tout cet argent, est-ce que je vais vraiment en retirer quelque chose? Il y a quand même une prise de risque. Est-ce que tout le monde peut le faire? Et pour ceux qui peuvent être intéressés, qui ont peur et qui se disent, bon voilà, parce que la première fois que j'ai entendu un mastermind, ça a presque dit, ah mince, c'est pas moi, c'est pas à ma place, c'est trop haut, c'est trop cher. Qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes-là qui peuvent ressentir ça? Toujours de s'écouter. Toi, tu l'as ressenti ça déjà? Bien sûr, je l'ai ressenti. Ouais. C'est un gros investissement. Après, la question, c'est pourquoi je le fais et dans quelle ambition je le fais. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Est-ce que je suis prêt aujourd'hui? Est-ce que j'ai besoin d'être en contact avec ces gens-là? Est-ce que j'ai besoin d'aller chercher ces enseignements? Est-ce que j'ai besoin de me confronter aujourd'hui pour progresser? Est-ce que j'ai envie de ça? Faut savoir ce qu'on veut, en fait. Voilà. Ouais. Et puis, après, c'est pas parce que tout le monde va dans les masterminds que c'est forcément une bonne chose d'y aller aussi. Ouais. Donc, c'est une vraie question à se poser. Pourquoi j'y vais? Qu'est-ce que je cherche dans Mastermind? Avec qui j'ai envie de me retrouver? Et avec qui j'ai envie d'être confronté? Parce que si je ne suis pas prêt à être confronté, vaut mieux pas y aller non plus. Et ceux qui ont peur et qui se disent « c'est pas pour moi, j'ai peur, c'est trop pour moi ». Qu'ils attendent. D'attendre, de mûrir un petit peu ça. Voilà. Tant que, de toute façon, ils n'auront pas trouvé la vraie raison d'y aller, la peur, elle sera là. Et parfois, ce serait une très bonne peur, d'ailleurs, au passage. Voilà. Après, il y a peur et peur. Hein. Oui, parce que moi, j'avais quand même peur, je l'ai fait. Hein. Oui, mais tu l'as fait, après t'as investi. Ouais. Tu étais prêt aussi à avancer sur un truc. Exactement, j'avais déjà un fort engagement déjà avant ça, et j'avais envie d'aller encore plus loin dans cet engagement-là par rapport à mon business. Après, ce que je pense, c'est que certes, on va payer plus cher, ça ne veut pas dire que c'est mieux, ça veut dire qu'on va trouver des personnes qui sont plus en résonance avec le niveau... Alors, ce n'est pas une affaire d'être, c'est une affaire de fonction. Ouais. C'est clair que si ton problème, c'est de savoir qu'est-ce que tu fais du million d'euros de trésorerie que tu as, tu ne te poses pas les mêmes questions que quelqu'un qui cherche à monter à 100 000 euros de chiffre d'affaires. C'est pour ça qu'encore une fois, il y a des strates à passer. Voilà, c'est pour ça qu'il faut replacer les choses dans leur contexte. Ouais. Et un mastermind, c'est quelque chose qui correspond à la marche là où tu en es. Donc, il faut des gens qui soient... plus élevé que toi, puisque plus tu vas te sentir bête autour d'une table, plus finalement tu vas apprendre. C'est-à-dire que tu es au bon endroit. Ouais. Tu es probablement au bon endroit. Et puis après, il y a le niveau d'ambition dans lequel tu es. Parce que ça aussi, ça joue sur quel est ton projet, quel est ton objectif. Mais c'est clair que dans un mastermind, tout va évoluer. Ton système de valeurs va évoluer, tes ambitions vont évoluer, le champ de possibilités va évoluer, parce que tu vas découvrir des trucs que tu ne savais même pas que ça existait. Tu augmentes ton niveau de conscience, ton engagement, ton mindset, tes techniques, c'est chamboulant. C'est chamboulant, mais c'est aussi pour ça qu'on voit de plus en plus d'accélération, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui se connectent et qui font avancer l'ensemble. Excellent, je te remercie pour ton témoignage par rapport à ces masterminds-là. Moi, c'est vrai que je le recommande. Si on juge qu'on en a besoin et qu'on est prêt à s'engager vis-à-vis de ça, on peut retirer beaucoup. J'espère que ça vous a donné des pistes pour ceux qui se posent la question par rapport au mastermind. Et puis, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez d'autres questions par rapport à ça. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo business et spiritualité avec Paul Pirnet. Et surtout, continuez à vous éclater parce que c'est la base, en fait. De kiffer et de s'éclater dans son job. Quel que soit l'endroit où vous êtes, c'est vraiment très, très important. Ouais. Merci pour ce message, Paulo. À très bientôt. Et merci de nous avoir regardés. Ciao, ciao.